au Sylvain. Remontons, s'il vous plaît. Allons dans les salles, Sylvain. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ça va ce matin? Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est vrai? Oui. D'accord. Donc, avant que je ne puisse vous passer une information, je voudrais, avec votre aimable attention, suite au drame qui est survenu hier à Dabola, où des élèves comme vous s'apprêtaient pour aller affronter les sujets de ce lundi 5 juin et y ont trouvé la mort. Je voudrais qu'on tienne une minute de silence à la mémoire de ces jeunes enfants, de nos enfants qui ont perdu la vie hier. D'accord? Oui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs les encadreurs, surveillants, chers élèves, chers candidats, chers enfants, c'est avec une immense joie qu'au nom du gouvernement de la transition, en sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, et sous le leadership du Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Gomont. C'est en ma qualité de représentante du ministère de l'Enseignement préuniversitaire aujourd'hui que je viens auprès de vous, auprès des autorités communales de Ratoma, lancer vos sujets d'examen avec pour message à votre endroit, chers candidats, la sérénité, la quiétude, afin que vous puissiez affronter vos sujets d'examen dans de meilleures conditions. Soyez libre de toute charge ou de toute surcharge dans la tête. Soyez sereins les uns et les autres pour affronter vos sujets d'examen. Dans la quiétude, dans la discipline, mais surtout dans le travail. Comme vous le savez, depuis l'avènement du CNRD, le système éducatif guinéen prône l'excellence. Nous prenons l'excellence et cette excellence recherchée par les hautes autorités de la transition commence par vous, chères jeunes filles, chers jeunes hommes. Ce que nous voulons pour l'avenir, pour la responsabilité de notre État, commence même dans ces établissements primaires. Et le premier examen que nous affrontons dans notre système éducatif, c'est celui de l'accès à la 7e année. Donc, j'espère très sincèrement que vous avez passé une année merveilleuse, que vous avez appris vos leçons, parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un test d'apprentissage, ce n'est qu'un test pour voir jusqu'où vous avez assimilé votre année scolaire. Ceux-là qui réussiront, passeront. Ceux-là qui vont redoubler. Il est très important que je puisse vous passer ce message-là, en tant que ministre, en tant que l'un des ministres du sous-secteur de l'éducation en Guinée, que vous ne déméritez pas. Il faudrait juste redoubler d'efforts également pour mieux travailler et mieux se préparer l'année prochaine. À toutes et à tous, mon souhait de bonne chance, mais surtout de très bonne chance pour l'examen. Merci. Chers encadreurs et surveillants, à vous également ce message du gouvernement de la transition. Nous comptons sur vous pour que ces examens nationaux soient une parfaite réussite à tous les niveaux. Depuis la surveillance, jusqu'à la correction et jusqu'à la délibération finale. Nous espérons qu'à travers votre casquette d'enseignant, vous allez incarner noblement notre métier d'enseignant en surveillant avec éthique et déontologie, pour qu'il n'y ait pas de fuite de sujet, pour qu'il n'y ait pas de copie, mais que nous puissions travailler dans la transparence. Telle est la volonté aujourd'hui que nous voulons en tant qu'autorité éducative. Telle est la volonté du chef de l'État aujourd'hui afin que ce soit le mérite qui gangrène notre système éducatif. Vous êtes parents d'élèves, nous en sommes tous et toutes autour de ce mât aujourd'hui. Il faudrait que nous inculquions des valeurs à ces jeunes-là qui affrontent leur premier examen aujourd'hui.
Donc nous comptons entièrement sur votre responsabilité pour que ce centre dans lequel je lance les sujets aujourd'hui, soit un centre exemplaire, comme la propriété l'indique dans l'école primaire de Kipé 2. Au responsable du centre d'examen, nous espérons que vous avez pris toutes les dispositions idoines pour l'accueil de nos enfants, que vous avez pris toutes les dispositions pour que les examens se passent dans de meilleures conditions dans ce centre et que les surveillants soient suivis, accompagnés pour qu'il y ait de la transparence, de l'éthique et de la déontologie dans l'école primaire Kipé 2. En tout cas, nous, en tant qu'autorité de la transition, nous vous donnons notre aval pour que cet examen de passage en septième année soit une pleine réussite et un plein succès dans cet établissement. À toutes et à tous, mes salutations cordiales et mes souhaits de bonne chance. Je vous remercie. Bien, chers candidats, chers surveillants,